Bonjour à toutes et à tous, chers amis de Versailles. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous deux femmes que l'on ne penserait pourtant pas associées, la duchesse de Berry et Élisabeth Vigée-Lebrun. La peintre est bien connue des amis de Versailles. Née la même année que Marie-Antoinette, en 1755, elle est la fille du pastelliste Louis Vigée. C'est lui qui remarque le talent précoce de sa fille et commence à la former. Mais il meurt alors qu'elle n'a que 12 ans. Gabriel François Doyen continue sa formation avant qu'elle n'aille frapper à la porte de Gabriel Briard, membre de l'Académie royale de peinture. Elle se forme dans ses ateliers et y fait la connaissance de Joseph Vernet, qui devient une sorte de mentor pour la jeune artiste. Son premier tableau reconnu est un portrait de sa mère dès 1770. En 1774, elle est reçue à l'Académie de Saint-Luc, dont son père était également membre. Pendant ses jeunes années, Élisabeth Vigée se fait connaître et reçoit de nombreuses commandes de portraits et réalise également quelques autoportraits. En 1775, elle rencontre Jean-Baptiste Pierre Lebrun, un marchand d'art qui s'intéresse à elle et commence à gérer ses affaires. Elle l'épouse dès 1776. Cette même année, elle reçoit sa première commande de la cour de la part du comte de Provence, frère du roi, et est admise à travailler à Versailles. C'est en 1778 que la reine Marie-Antoinette lui commande un portrait destiné à sa mère à Vienne. Marie-Antoinette avait beaucoup de mal à trouver un portraitiste qui la rende justice à ses traits, mais elle va se montrer si satisfaite du travail d'Élisabeth qu'elle s'attache les services de l'artiste. Ayant essayé en vain d'être admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est grâce à l'intervention de la reine qu'elle y est finalement reçue le 31 mai 1783. Comme vous le savez, on lui doit de nombreux portraits de la souveraine, notamment celui-ci en 1783, un autre en 1787, ou encore celui-ci en 1788. La plupart sont d'ailleurs conservés à Versailles. Elle va également peindre tous les proches de la reine, notamment ses enfants, dans ce très joli portrait de Madame Royale avec son frère, Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, mais aussi ses plus proches amis, comme la duchesse de Polignac ou la princesse de Lamballe. Sa proximité avec la cour et évidemment avec Marie-Antoinette la contraignent à l'exil dès 1789. Mais sa renommée, qui a dépassé les frontières, lui permet d'entamer un tour des cours d'Europe où elle est admise à peindre les souverains et leurs familles. Elle commence notamment par l'Italie et après un séjour à Rome, elle s'arrête à Naples, où la sœur de Marie-Antoinette, la reine Marie-Caroline, lui commande son portrait en 1790. Vous le voyez, elle adapte un portrait de la reine, celui peint en 1788. Mais elle va aussi proposer des portraits plus inédits, notamment en peignant les princesses Marie-Christine et Marie-Louise. Elle va ensuite partager son exil entre la Russie, où elle fera le portrait notamment de la tsarine Marie Féodorovna, la Prusse, où elle nous laisse ce très joli portrait de la reine Louise, la Suisse et l'Angleterre, où elle va notamment retrouver la cour en exil de Louis XVIII. Elle retrouve la France en 1809, mais finalement elle ne va se lier que de très loin à la famille impériale et ne va peindre qu'un seul portrait des membres de la maison Bonaparte, à savoir celui de la reine Caroline, sœur de Napoléon, reine de Naples. Dans ses mémoires qui sont publiées en 1835, elle ne lui donne d'ailleurs pas le titre de souveraine, mais la qualifie de Madame Murat, et montre tout le mépris que lui inspire cette parvenue. Face aux caprices et retards de la sœur de Napoléon, Élisabeth Vigée-Lebrun écrit, et je la cite, « J'ai peint de véritables princesses qui ne m'ont jamais tourmenté et ne m'ont jamais fait attendre. » Le retour des Bourbons en 1814 ne va toutefois pas lui redonner toute la popularité d'antan,
Mais en 1824, tout de même, elle est admise auprès de la duchesse de Berry, dont elle va réaliser deux portraits. C'est là la dernière fois qu'Élisabeth Vigée-Lebrun est admise à réaliser le portrait d'un membre de la famille royale. À cette date, la duchesse de Berry est déjà veuve et mère du futur héritier du trône, le duc de Bordeaux. Elle est jeune, elle est à la mode et elle apporte un vent de fraîcheur sur une cour quelque peu endormie et austère. Ces deux portraits, qui, si l'on veut être honnête, n'en sont finalement qu'un seul adapté, sont largement méconnus aujourd'hui et très peu utilisés dans les ouvrages consacrés à la duchesse. La version bleue est conservée au Metropolitan Museum de New York et la version rouge est dans une collection privée. Comme à son habitude, elle présente la princesse dans tout l'éclat de sa beauté, dans une pose toute aristocratique, allant même jusqu'à faire oublier la légère coquetterie dans l'œil qu'avait la princesse. Elle est parée d'une tiare et de bijoux en perles, son étole dans le vent, dans une œuvre qui finalement rejoint le courant romantique si cher à la duchesse de Berry. À l'inverse de Caroline Murat, les séances de pose avec la duchesse de Berry lui laissent, on s'en doute, un excellent souvenir. Je la cite, plusieurs années après, je fis le portrait de Madame la duchesse de Berry, qui me donnait ses séances aux Tuileries avec une exactitude bien aimable, outre qu'il est impossible de se montrer plus gracieuse qu'elle ne l'était avec moi. Élisabeth raconte la simplicité évidemment toute royale de son modèle qui, pendant les séances de pose, n'hésite pas à accueillir son fils. Monsieur le duc de Bordeaux vint apporter à sa mère son cahier d'études sur lequel le maître avait écrit très content. La duchesse lui donna 2 louis. Alors le jeune prince, qui pouvait avoir 6 ans, se mit à sauter de joie en s'écriant: voilà pour mes pauvres, et d'abord à ma vieille. Quand il fut sorti, Madame la duchesse de Berry me dit qu'il s'agissait d'une pauvre femme que son fils rencontrait souvent sur son chemin et qu'il affectionnait particulièrement. Elle n'a d'ailleurs, la duchesse de Berry, si elle connaît la popularité d'Élisabeth Vigée-Lebrun, n'a sans doute pas oublié que son époux avait acheté à Élisabeth sa Sibylle en 1819. Plus loin dans ses mémoires, la peintre dit que elle est souvent dérangée pendant les séances de pose et elle finit par montrer son agacement. Et la duchesse de Berry, loin de s'en offusquer, lui répond alors: mais pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'aller poser chez vous? Ce qu'elle fit pour les 2 dernières séances de pose. Et de conclure, j'avoue que je ne pus trouver l'objet d'une aussi douce bienveillance sans comparer les heures que je consacrais à cette aimable princesse aux tristes heures que m'avait fait passer Madame Murat. Ces deux portraits sont les 2 derniers avatars de la mémoire d'une famille royale idéalisée et pourtant sans doute les moins connus de la duchesse de Berry. Mais Marie-Antoinette n'a-t-elle pas finalement capté toute la lumière? Merci, au revoir.